Ouais, entrez. Ouais. Quoi? C'est le bordel de quoi? C'est Mary qui a fait de la merde? Non? Comment ça? Regarde devant. Welcome to the Salty Academy. Oh putain! Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Brody. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Je suis en retard. Oulala. Je vais me faire gueuler par 6-4. Je vais lui faire croire que je suis là depuis une demi-heure. Alors qu'en fait, je suis pas là depuis une demi-heure. Et que je viens de me couper. Mais comme c'est un blaireau, il va trop croire que je suis chaud. Alors qu'en fait, je vais du tout chaud. Bon, sur ce, on va aller rejoindre Mary, ce serait pas mal. Est-ce que tu peux nous mettre en lien sur l'intercom de la Salty Academy? Oui. Avec Mary, directement. Bonsoir, Mary. Bonsoir, 6-4. Je t'attends depuis une demi-heure. J'ai trouvé ça super long. Et je suis désolé, mais t'es pas venu en CCTV? Si, si. Tu peux venir nous voir comme ça? Non. Moi, ça, je suis là depuis une demi-heure. Ça fait une demi-heure, mec. Les personnes qui étaient là auraient pu voir s'ils avaient gagné, par exemple, une RTX 2060. On est là depuis à peu près même plus. Je dirais 3/4 d'heure qu'on s'échauffe. Ouais, c'est bien. Bah, moi, je me suis pas échauffé, du coup. Je viens juste de terminer le truc. Donc, du coup, je vais partir m'échauffer en chasse au terreau. Ah ben, non, t'es sérieux, là? Oui, un peu, ouais. Bah non, je suis désolé, tu prends ton mal en patience et tu t'échauffes pas ce soir. Parce que nous, ça fait une demi-heure. C'est toi qui dois prendre ton mal en patience, du coup. Parce que ça veut dire d'attendre. Moi, je vais pas attendre, je vais... Il y a une update sur Rainbow Six, là? Ouais, en plus, il y a une update sur Rainbow Six. Qui change tout, là. Grave. Non, c'est pas vrai, en vérité, je viens de lancer le live. 3, 2... Ouais, je suis prêt. 1-0. Et regarde le perso que j'ai pris ce soir. Il s'appelle... Mais je vois pas de quoi tu parles. Si, regarde bien le dessin que j'ai fait. Mais t'es trop un fils de... sérieux. C'est Astérix en chauve. C'est Calvisix. Humour, blague. J'adore, je suis génial. Je suis super drôle. À vous, vous avez tous rigolé. Moi, j'ai pas rigolé. Ça, faut que je me chauffe. On va faire un peu de casu, hein. C'est une casu, je sais pas si vous avez vu. Mais... J'ai envie d'être taquin. Est-ce que vous croyez qu'il y a des youtubeurs qui profitent de leur expérience pour draguer des filles? Trop drôle. Oh, le petit spawn kill en deux temps, tu l'aimes celui-là? Bon, moi je vais puer la merde pendant au moins 3 games, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, mais mec, attends, prestab. Regarde, t'arrives à être au-dessus de moi quand même. T'es vraiment ouf. Ouais, enfin, ça je le vois pas comme un gage de qualité, hein. Bah si, mec, bah si, détrompe-toi. Putain, mais j'ai un aim de chèvre. Plus qu'un op fort. Oh bah ouais. Je plante. Je pense que si t'es un as, bute ton mec. Oh, la belle tête. Alors là, franchement, je voulais être charrier, mais y'a rien à dire, la tête était belle. Oh, y'a quelqu'un. Ah ouais, je l'ai entendu, lui. Je l'ai entendu, ouais. Et je l'ai pas vu, par contre. Un seul agent. Vous êtes chaud, les mecs? Merci, Gamozo. Ouais, on est chaud, là, je vais te carry encore, là. Comment ça, tu vas me carry, mec? Tu m'as jamais carry, hein? Je pense que la meilleure saison pour moi sur R6, c'est la saison des amours. Allez, let's go, Mary, concentré là. C'est une rencade. Ouais, c'est une rencade.
De toute façon, c'est comme d'habitude, même si c'est Spree McFa, ça va tryhard comme des fils de p. Donc activez le level up là, d'accord? Mary, j'ai besoin de toi. Bah moi je suis là, regarde, fais tab. Oui, non, mais ça veut rien dire ça. À chaque fois, expliquer si je suis là, si regarde press tab, si machin truc. Mais je suis là, c'est bon, t'inquiète. Ok, parfait. Putain, mais mec, je lui dis que j'ai pas fait direct, j'ai même pas d'infos quoi. Mary, Bézi, je te dis, poulet, je te le dis. À droite, tout au fond, à droite, y'en a un, et à gauche, contact. On va pouvoir ça jouer là, on va pouvoir ça faire. Je suis droné, donc tout le monde jouait. T'as un monstre. Et contact à gauche. Ok. Vas-y. Mort, vas-y, je diffuse. Non, il m'a tué. Ah, il est mort. Vous avez vu ce que j'ai fait avec ma Mira? J'ai fait une technique que 6-4 m'a appris, c'est-à-dire qu'ils ont planté, et ben je vais tout de suite dessus. Je cherche pas à comprendre. Ouais, tu vas tout de suite dessus. Tu vas tout de suite dessus. Puis déjà, pour leur envoyer un signal fort que tu peux le jouer, tu t'approches le plus rapidement possible dans une situation qui est délicate pour eux, en mode où tu peux les jouer, mais tu peux jouer aussi le diffuse. Et derrière, tout de suite, on s'organise. C'était très propre. C'est-à-dire, moi, j'ai vu que tu prenais en croisée à droite, j'ai pris en croisée à gauche, j'avais vu le décal sur le Echo Drone. Et derrière, si tu sors, mon gars, moi, je suis un support. Je louperai pas le mec qui t'a tué. On a perdu cette game alors qu'on aurait pu la gagner. C'est pas cool, c'est pas chouette, on n'a pas bien joué. Il me reste 9 matchs avant d'être classé. Y'en a un qui monte Escarouge, Escarouge. Mort Escarouge. Y'en a un peut-être balcon ouais. Comment avoir un meilleur game sense? C'est à moi que tu demandes, mec. Bah c'est en jouant. Pour Rainbow Six, franchement, le meilleur moyen, c'est de la connaissance des maps. Plus tu connaîtras, plus tu pourras anticiper. Voilà. Pas faux. Allez, va falloir pousser le top, les gars. Je vais rentrer. Vigil, le piano, il arrive. Je sais pas où il est, Vigil. Hein. Putain, qui est-ce qui m'a tiré dessus? Tranquille, c'est le Vigil qui est mort. Ouais, c'est le Vigil, poulet. Dans le mail. T'es sur site, poulet? Ouais. Red, je push. Il en reste plus qu'un. Et je plante. Tranquille, on plante et on s'arrache par la fenêtre. Si ça se passe au top, y'a un mobile au top. Par la fenêtre derrière toi, par toi, Thatcher. Ah non, au top. Putain, mais d'où il me voit là? Je vois même pas moi. Il est mort. Vous avez vu en support? Là, c'était vraiment fus support quoi. Ouvrir les fenêtres pour ses potes, ses machins, trucs. Bon, après, je vais le kill à la fin, mais. Faut vraiment essayer de rester juste derrière son pote et de se dire quel est le truc que j'aimerais moi qu'il me donne à ce moment-là. Ouvrir la fenêtre sur ma droite alors que j'ai vu que j'étais un peu bloqué. Jouer du fus d'enculé, ça a pété les pièces de Frost, les trucs comme ça. Même si fus ça fait pas de kill, franchement en ranked ça te clear un BP quoi. Surtout que les gens ont vachement tendance à concentrer un peu trop leurs gadgets sur les BP. C'est une espèce de Thatcher version perestroïka. La perestroïka est le nom donné aux réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS. Fais gaffe, termite. Nice, poulet. On y va, on push. Allez, Mary. Oh là là. Oh, ne regardez pas ça, please. Tu vois, Mary, poulet. J'ai vraiment vu que tu avances sur des trucs, etc. Le termite, il est rentré, il a fait le kill et t'es resté derrière lui. T'as ni envoyé tes candelas au moment où tu as vu ça. Je suis resté derrière lui, pourquoi? Parce qu'il m'a donné l'information. J'ai eu l'information. Qu'il y avait un mec à la fenêtre. Qui avait un... Non, pas du tout. Qui avait un mec top machin. Top passerelle garage. Top garage. À la fenêtre et du coup. Attends. Non, pas à la fenêtre. Il y avait un trou de rota. Non, non plus. Et tu tirais à travers quoi? Un mur pété par termite et... La fenêtre du garage.
Oui. C'est ce que je te disais en fait. D'accord.